Bonjour. Ah, ça sent la victoire. Tant qu'il y aura des gones, c'est une émission sur le foot. Le foot à Lyon, c'est l'Olympique Lyonnais. Et c'est sur la chaîne 30 Télém et sur le site olympiqueetlyonnais.com avec, je vous demande de l'applaudir très fort, Razik Bric. Bonsoir Michel, bonsoir à tous. À côté de lui, son compère, Nicolas Puy-de-Bois. Bien le bonjour, salut à tous. Et donc, bah, après un gardien, qu'est-ce qui peut cacher un autre gardien? Bah, c'est un autre gardien. Donc, on a avec nous M. Dominique Casagrande. Voilà, bah, enfin un invité qui porte bonheur. Hein. C'était le moment. On ramait. Hein, voilà. Donc, allez, on a sauvé quoi? On a sauvé l'honneur, hein, Razik, c'est ça? Oui, une victoire pour l'honneur. En tout cas, c'est la performance la plus aboutie en Ligue des Champions cette saison. Victoire 2-0 à Valence. Il fallait gagner, il fallait retrouver le chemin du succès. Et on a. Quelque part, je suis satisfait, content d'avoir râlé, d'avoir été sévère sur ce plateau à l'égard de cette équipe de l'Olympique Lyonnais, parce qu'on savait qu'il y avait de la qualité sur le papier, on savait qu'il y avait des joueurs qui étaient capables de jouer ensemble. Et une fois n'est pas coutume cette saison, on a vu enfin une équipe, une vraie équipe. Et lorsqu'une équipe joue ensemble, eh bien, une équipe est capable de gagner. Voilà. Donc Razik qui n'a pas du tout le bocal. Donc c'est grâce à Razik que l'Olympique Lyonnais a battu le FC Valence 2-0. Mais non, c'est ça parce qu'en fait, après l'émission de la semaine dernière, on nous a un peu reproché, certains observateurs, certains tweetos, comme on dit sur Twitter, d'avoir été sévères. Parce que c'est vrai, j'avais quand même dit que c'était des merdeux, j'avais dit que les attitudes étaient déplorables, notamment. C'était juste. Et c'était juste, et je ne le regrette pas, parce que des fois, on peut s'emporter sur un plateau télé, mais force est de constater, c'est qu'on observe. On observait ces derniers temps des mauvaises attitudes, on déplorait certaines attitudes et je suis content de l'avoir dit parce que cette émission, c'est aussi une émission de foot. On dit les choses. Ça reste que du foot et on essaye d'être le plus transparent possible et le plus objectif possible. Et voilà, encore une fois, lorsque l'OL joue mal, on le dit. Lorsque l'OL joue mieux, on le dit aussi. Et hier, ils ont bien joué au foot et c'est plaisant. Oui, hier, ils sont toujours en équipe, Razik. C'était un vrai collectif. On se rend compte que le football, c'est un sport d'équipe. Quand on joue ensemble, qu'on défend ensemble, c'est cohérent, quoi. C'est quand même dommage de s'en rendre compte en 2015 que le football, c'est un sport d'équipe. Nous, on s'en était rendu compte bien avant. Ça fait un bout de temps, ouais, voilà. Eux, ils se sont rendus compte. Ouais, les gardiens, c'est à part, c'est vrai. Nous, on fait pas le même sport, c'est différent. Mais voilà, on a senti un bloc équipe cohérent qui avançait, qui défendait ensemble. On a retrouvé une simplicité dans le jeu à une ou deux touches de balle. Et ça, c'est avec un Clément Grenier qui simplifie le jeu, en fait. Ah. Qui, voilà, il sent le football, donc c'est plus simple de jouer avec des footballeurs. Ah, donc non, mais c'est clair. Donc, un sport d'équipe qu'il faut jouer avec des footballeurs. Il faut des gardiens de but, il faut des porteurs d'eau, mais il faut aussi des joueurs comme Clément Grenier qui mettent l'équipe dans le sens du jeu. Ok, on peut peut-être voir le 11 de départ pour voir quels ont été les changements dans la composition de l'équipe. Donc, on a quels changements qui vous ont plu à vous? Il y a le retour de Mapou. Hein, Mapou qui a fait un bon match d'ailleurs. On l'avait aussi pareil, bon on l'avait critiqué. Il a été solide, ouais. Et il a été solide de Mapou. Donc c'est en deuxième mi-temps, on l'avait même vu avancer, défier. Il a fini avant-centre. On aurait dit Osvaldo Piazza à l'époque. Enfin, il a été solide dans les duels, il a été autoritaire, c'est ce qu'on demande à un défenseur central. Et c'est avec ce duo, avec Jérémy Morel, a bien fonctionné. Pardon. La titularisation de Clément Grenier, on aura le temps d'en parler tout à l'heure. Et puis Sergi Darder aussi, qui faisait son retour dans le 11 de départ. Il était chez lui, là, c'était l'heure du pays, peut-être, c'était le moment. Exactement. Et Maxwell Cornet, qui a été préféré à Claudio Beauvue. Et pareil, c'était plutôt bénéfique pour l'OL. C'est vrai. Ah, donc on a aussi, il s'est passé quelque chose, hein. Il y a eu un petit erreur d'arbitrage. Il y a des faits de jeu après qui ont tourné en la faveur de l'Olympique Lyonnais hier. Il y a une première tête sur le poteau qui peut changer pas mal de choses. Le but refusé sur une appréciation de l'arbitre. Pour une fois que les événements tournent en notre faveur cette saison, on va les prendre. Mais c'est vrai qu'au bout de 10 minutes de jeu, on aurait pu être mené. Et je pense que la physionomie du match aurait été très différente. Oui, mais comme on dit, ça s'équilibre sur une saison et c'est le football. Et puis surtout tout au long du match, parce qu'elle a été plutôt décevante, je ne sais pas ce qu'on pense de Munich, cette équipe de Valence. Moi, je m'attendais à vraiment un autre Valence. Oui, mais ça fait quelques temps qu'ils ont ce niveau un petit peu Valence-là, qui se cherchent un petit peu et ce n'est pas le changement d'entraîneur qui les a aidés sur ce match-là. Quoi. Ouais, c'était compliqué, c'est vrai. Ils ont un nouvel entraîneur, une nouvelle philosophie, la barrière de la langue entre l'entraîneur et les joueurs, donc c'est compliqué. Comme quoi, changer d'entraîneur, c'est après, pas la solution. Après, on a vu un joli match de Ligue des Champions, en fait, avec des actions de part et d'autre, parce que même l'OL, hein, on a fait un bon match, cohérent, solide, mais c'est vrai qu'on a quand même été. Anthony Lopez a quand même dû s'employer 2-3 fois, donc voilà. Mais on a vu un joli match, il y avait des occasions, du jeu vers l'avant, du jeu à une touche de balle, c'était plaisant. Ouais, et puis c'est un L'OL en mode 4-4-3. 4-3-3, pardon. 4-3, ils auraient c'est pour ça qu'on a gagné les 4-4-3. Pardon, mais c'est 4-3-3. Et c'est vrai que ce 4-3-3, et Maxime Gonalon, on le disait justement, correspond bien pour ces matchs de Ligue des Champions.
Et on a vu une équipe lyonnaise mieux disposée, qui s'est montrée plus audacieuse. C'est parce qu'il est indulgent, parce que je pense que même en championnat, ça ferait du bien aussi à l'Olympique lyonnais, parce que preuve en est que la tactique, on a beau parler tactique, ils ont pas. On a joué depuis 2 ans en 4-4-2, on passe au bout de 2 jours en 4-3-3 sans faire forcément de tactique, et on sent que les joueurs sont dans leur bon positionnement, au bon endroit, avec leur qualité. Et Les titres. C'est aussi l'animation qu'on y met, pardon. Les 7 titres de champion de France, c'était en 4-3-3. C'était en 4-3-3, oui. Mais bon, après, c'est comme on dit. Sur les joueurs, Michel aussi. Oui, c'est la cohésion des joueurs. Parce que là, c'est 4-3-3 avec 4-3-3, pardon, avec Clément Grenier à gauche aussi. Ça dépend quel joueur, quel type de joueur, où il est placé, justement, etc. On reviendra avec Clément Grenier, mais il disait dans ses déclarations que ce n'est pas son poste de prédilection, mais il s'est mis au service du collectif. Et vraiment, le maître mot de la victoire d'hier, c'est vraiment le collectif. Ils ont joué les uns pour les autres. Ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. Ouais. On va laisser la place à Dominique. Oh, oui. On parle beaucoup. Mais non, c'est pas mal. Il faut s'imposer. Il n'y a pas des minutes, c'était pour les politiques. Non, c'est parce qu'on parle trop, c'est pour ça. Mais juste dire que c'était agréable de voir cet OL plus mordant et plus audacieux dans le jeu. Oui, mais c'était important, et c'est un moment de la saison, il n'y avait pas d'enjeu sur ce match, mais c'est important pour eux, important pour l'équipe, et retrouver une cohésion comme ils l'ont retrouvé hier, je pense que ça peut les lancer ou pas, mais au moins ça fait du bien à tout le monde. Oui, on a une déclaration de Maxime Gonallon aussi, qui était à côté de Sergi Darder à Valence. Il nous dit, en Ligue des Champions, je pense que le 4-3-3 est plus adapté que le 4-4-2 en losange, car on joue face à des équipes où il y a beaucoup de talents individuels, notamment devant. Les côtés ont besoin d'être aidés. Forcément, cela peut faire la différence, mais c'est surtout l'état d'esprit qui a évolué par rapport à nos matchs précédents. Ah voilà, elle a complété finalement les propos de Nico et mes propos. Eh bien, c'est parfait. C'était justement pour souligner que vous aviez raison, comme d'habitude. Non, faut pas dire ça, parce qu'après, on va prendre la grosse tête comme les joueurs. Et vous l'avez déjà. Il y a Cornet aussi qui a planté. Bien, le petit cornet que vous en pensez, Dominique. Ouais. Mais c'est une des révélations, une des pépites que le centre de formation a. Il faut qu'elle ait le temps de s'exprimer. Il faut lui laisser le temps. Et ça ne sera pas facile, mais il ne faut pas non plus enterrer d'autres joueurs qui sont là et qui vont réapparaître aussi, parce que les moments sont durs pour tout le monde et ce n'est pas forcément le joueur qui fait le bon et les autres le mauvais. Il faut équilibrer tout ça. Beauvue, je pense qu'il peut revenir aussi. Il ne faut pas trop l'enfoncer, parce que c'est quand même un bon joueur. C'est le deuxième but le plus jeune de l'OL. Le premier, c'était Benzema. Karim Benzema. L'avantage de ces joueurs, c'est qu'ils apportent leur fraîcheur et leur dynamisme. Eux, ils ont tout à gagner dans ces matchs-là, parce qu'ils peuvent se montrer. En plus, lui, il est décisif. Il marque un très joli but. Contré, vous m'avez dit. Oui, un peu dévié par du dos. Donc, ça aurait pu aussi. La réussite. Et la chance, ça se provoque. Voilà. Ils méritaient d'être récompensés de leur initiative, et c'est ce qui a été le cas hier soir. Donc. Non, c'est très bien. Moi, j'ai aimé le match de Cornet. Ouais, c'est vrai, dans les déplacements, dans ses orientations. Mais il a une déclaration aussi. Il a joué juste, et comme disait. On m'a dit avant le match de me relâcher. Nicolas, de jouer comme je sais faire. Sur le but, j'ai frappé à l'instinct, c'est bien pour nous. J'ai ressenti de la joie, mais aussi de la tristesse de ne pas avoir fait le boulot avant. Mais on a fini à tête haute, on est un groupe, il faut rester soudé. On va prendre ce match comme un match référence pour se mettre sur les bons rails. Bah déjà, c'est plein de maturité pour un gamin. Mais on le sait, de toute façon, il est arrivé de Metz, on sait que c'est un joueur qui a un bon état d'esprit. Quoique, au départ, il a eu quelques difficultés aussi d'adaptation, quelques petits retards à l'entraînement. Mais après, ça reste un jeune, il ne faut pas le condamner. Il ne faut pas le condamner tout de suite. Et s'il se met au boulot, il n'y a pas de raison. Quand on a les qualités footballistiques, lorsqu'on se met au boulot, et ben derrière, il y a des résultats, il n'y a pas de secret. Mais ce qu'a dit Nico est vrai aussi. C'est des joueurs qui ne se posent pas la question aujourd'hui et on n'attend pas forcément autant qu'on attend d'autres. L'espace est passé, mais il faut leur laisser le temps, il faut laisser le temps à tout le monde. Voilà. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les clubs, on a moins le temps, de moins en moins le temps, mais le match hier peut servir à beaucoup de monde, y compris à ceux qui n'ont pas joué hier. Oui, justement, parce que c'est vrai qu'on dit que c'était un match, une victoire pour rien, mais en fait, pour moi, ce n'est pas pour rien, parce que ça peut construire les futures victoires, ça peut construire une nouvelle cohésion, pour moi, c'est plus un nouveau départ. Parce qu'on sait qu'on a un adversaire, on en reparlera certainement après, mais on a un adversaire difficile qui arrive, mais voilà, je pense que ça peut être fédérateur, ce match-là. Oui, puis on a la chance d'avoir aussi Anthony Lopez. Ils ont tous parlé. Fait une je suis obligé de lire des trucs, mais pas savoir. Nous avons fait honneur au club avec cette victoire. Cela nous fait du bien psychologiquement. Nous nous sommes battus les uns pour les autres, enfin. Cela nous a permis d'aller chercher un bon résultat et surtout sans concéder de but. C'est de bon augure pour la suite, j'espère. C'est vrai que là, ce qui est intéressant, c'est vraiment le mental qu'ils ont mis dedans. Oui, bon, c'est triste de le voir aujourd'hui aussi. Oui, ça devrait être logique. Ça devrait être normal. Et oui. Mais bon, comme c'était vraiment absent pendant les 4 dernières rencontres, c'est bien de depuis le derby, il n'y avait rien. Je ne dis pas ça parce que vous avez vu Saint-Etienne, mais voilà. Mais depuis le derby, où on les avait massacrés. Il a raison, quelque part, Dominique, ça réveille tardif et c'est un peu frustrant.
lorsqu'on connaît, encore une fois, lorsqu'on voit ces joueurs sur le papier, lorsqu'on se dit que le football, finalement, c'est simple, lorsqu'on joue ensemble, de devoir dire qu'on joue les quand uns pour les autres. Quand on fait les efforts ensemble. Pour faire les efforts, de jouer les uns avec les autres, pour les autres, etc. Bah, c'est logique. Et c'est quand même frustrant de voir que cette équipe n'était pas capable de le faire avant, en fait. Donc, ouais. On est obligé de le souligner aussi. Même si tout le monde est content et satisfait aujourd'hui, on est obligé de le signaler. Bah, ils ont touché le fond contre Angers, puis peut-être que du coup, bah, quand on touche le fond, on peut remonter hein, maintenant. Du coup. Il faut remonter. Hein ah, allez, on va passer à, bah, entre guillemets, à la vedette du jour. Il a fait vraiment un gros retour en Ligue des Champions, c'est Clément Grenier. Mmh. Hein, Clément Grenier, il a joué 69 minutes, il a été remplacé par Rachid Ghezal. Il a fait 26 passes réussies sur les 34 tentées, donc 76% de réussite, 2 tirs non cadrés et surtout 8,5 km parcourus. Voilà, ça c'est pour les stats. Mmh, c'est intéressant ces stats, il a touché beaucoup de ballons. Il a beaucoup apporté, beaucoup de fait bien à cette équipe de l'Olympique Lyonnais. On l'a dit dans ce 4-3-3, il a joué à gauche. Il a su garder les ballons quand il fallait aussi. Il a su garder les ballons. Il a fluidifié le jeu lyonnais. Et voilà, et c'est bien parce qu'on connaît Clément, on connaît ses qualités footballistiques aussi, ce qu'il peut apporter à l'OL. Et son retour fait beaucoup de bien à cet Olympique Lyonnais. Non, mais c'est vrai qu'on a l'habitude de comparer les joueurs dans le football. Et force de constater justement que par rapport à Mathieu Valbuena, il met l'équipe dans le sens du jeu vers l'avant. Mathieu Valbuena a toujours 3, 4, 5 touches, un peu les contrôles vers l'arrière. Pour moi, Valbuena, aujourd'hui, ralentissait le jeu de l'Olympique Lyonnais, là où Clément Grenier apporte un peu de vitesse. Clément Grenier, on sait que c'est un leader technique sur le terrain. Voilà, on a besoin de ces joueurs-là. Maintenant, il ne faut pas non plus forcément trop s'enflammer, c'était son retour. On sait qu'à un moment donné, il va y avoir le contre-coup de son retour, parce que physiquement, il a donné beaucoup, il va un peu s'épuiser, la trêve est pas loin, donc... Mais ça fait plaisir de le retrouver à ce niveau-là parce qu'on sait qu'on a besoin de lui et de ce genre de joueur à l'Olympique Lyonnais aujourd'hui. Et l'association Valbuena-Grenier, qu'ils ont pensé. Pourquoi pas D'abord, il faut laisser Clément s'exprimer aujourd'hui tel qu'il le fait. Je pense qu'il a besoin de ballon, il a faim de ballon, il a envie de montrer des choses. Et le retrouver là, c'est quand même un taulier du vestiaire, il a été. Donc ça rassure aussi les autres. Il était éteint pendant sa convalescence et du coup, ça peut aider. Et je pense que ça rassure aussi les autres joueurs de l'avoir à côté. Parce qu'on sait qu'il est capable de nous faire la différence, de garder le ballon et d'orienter le jeu et de conduire le jeu de l'équipe. Est-ce qu'il n'y avait peut-être pas de chauffeur dans ce bus depuis quelques temps Il a raison, Dominique. Il a du caractère aussi. Donc ça aussi, c'est un leader technique, mais ça peut être aussi un leader dans le vestiaire. Et il en manquait. Donc son retour est plutôt bien. Oui, il a un regard neuf. Quelque part, il appartient au quinclin. Oui, c'est ça. Donc quand tu appartiens au quinclin, tu peux justement réunir. C'est le clan de l'infirmerie. Il peut réunir tout le monde, justement, pour un seul objectif, encore une fois. C'est que l'OL est capable de terminer sur le podium cette saison, donc il ne faut pas tout gâcher. Non, mais comme dit Dominique, c'est vrai que quand on a rongé son frein pendant longtemps, de retrouver les pelouses, ça donne envie, quoi. Alors c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont lassés par la situation, le contexte et tout ça. Lui, il a faim de ballon, il a envie de jouer, peu importe les résultats, il prend du plaisir à être sur le ballon, à être sur le terrain avec un ballon, parce que quand on est à l'infirmerie, c'est pas marrant. Ouais, effectivement, il a fait une déclat d'ailleurs. Lui aussi. Je lui dis, c'est un truc. Je me sens de mieux en mieux. J'ai joué un poste inhabituel pour moi, mais j'ai tâché de donner le maximum. Dans ces moments-là, il faut savoir s'adapter. C'est ce que j'ai fait, en espérant retrouver mon poste de prédilection dans les semaines à venir. Petit message quand même. Il ne veut pas s'empêcher. Oui, bien sûr. Voilà, c'est comme si vous avez demandé de jouer avant-centre. Vous auriez été comment? Très content. Libéré. En lumière. Non, mais si derrière, tu sais que tu joues avant-centre, mais par contre, tu apportes énormément à ton équipe, ça te permet de faire gagner ton équipe. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends sur toi. Bien sûr. Normalement. Voilà. Oui, les états d'âme, normalement, elles doivent être mises de côté. Donc, voilà, il fait passer un petit message quand même, mais bon, il a joué le jeu à fond, il s'est donné à 100% et oui, il a apporté beaucoup. Ouais, mais c'est ce qu'il a fait, hein, c'était bien. On a peut-être un dessin, non, de Valtimbanque, l'état de l'OL Empire, voilà, une vraie bande de clones. T'inquiète, Clément Grenier, bravo. Là, c'est Dark Vador, donc. Voilà. C'est la guerre des étoiles. Ligue des Champions, Guerre des Étoiles. Il a de la suite dans les idées, Valtimbanque. Ouais, par contre, attention, et il l'a dit Clément Grenier aussi, il ne l'a pas dit hier soir, mais il l'a dit le match précédent, que ce n'est pas le sauveur de l'OL. Donc attention aussi, parce qu'on ne va pas lui mettre trop de pression non plus. Il revient, donc doucement. Il revient après 5-6 mois d'absence. 5 mois d'absence. Oui. Donc il faut faire attention. On sait qu'il a des qualités footballistiques, on sait qu'il peut apporter beaucoup à l'OL, mais attention, ne pas le mettre non plus sur un piédestal et le considérer comme le sauveur de l'OL. Le sauveur de l'OL, c'est l'équipe, c'est le collectif. Effectivement. Donc on a fait le tour sur Clément, on va pouvoir passer à l'avenir maintenant. À l'avenir, ce que j'aimerais bien en régie, c'est que vous nous passiez, pour illustrer l'avenir, vous savez, le petit Vine qu'on a sur une équipe de l'Olympique Lyonnais qui a fait un bon résultat. Ça fait plaisir à voir ça, hein, quand même. Hein. C'est les U18.
U19, pardon. U19. Ils sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Youth League en faisant match nul un partout à Valence. Donc, les joueurs de Joël Fréchet. Eux, ils ont rempli leur contrat. Oui, ils ont rempli leur contrat. Ils ont leur Champions League, à eux, leur huitième de finale. Et c'est vrai que c'est des belles images qu'on voit ces jeunes-là, ces jeunes Lyonnais qui participent à cette Youth League se qualifier, c'est magnifique. Ah oui, c'est une belle chose. J'ai l'impression de voir les anciens de l'OL samedi matin. c'est pareil. Mais ça sautait un peu moins haut. Ça faisait ouille. C'est plus ça. Et surtout pour Nico, hein, parce que Nico, il a pris combien de buts? Trois. Ouais, mais que trois, il en a sauvé plein. Il paraît. Parce que, ouais, parce que... il n'y a plus le photographe, il n'y a plus les caméras, mais bon. Non, non, il en a sauvé plein parce qu'en fait, les joueurs, ils arrivaient, ils ne comprenaient pas, il y avait tous gardiens en entier dans les cages. C'est bon. Non, mais c'est vrai que c'est important pour le club d'avoir des images comme ça aussi, montrer que le club, il continue à vivre et que l'avenir, il est là aussi, quoi. Donc, on a aussi encore une sixième déclaration, et là, cette fois-ci, c'est Fournier. Fournier qui nous dit plein de choses sur cela ouais. Prouve qu'on est en suffisamment de force collective, on est capable de faire de belles choses. On a eu des périodes difficiles, mais on a su défendre tout au long du match. C'est une satisfaction à ce niveau-là. Mon sort ne regarde que moi. Je suis désolé que cela ne mette pas de sérénité autour de l'équipe. Je ne veux pas ressortir des individualités, mais le travail réalisé en équipe. Cela peut nous donner quelques regrets, mais ça doit nous donner de l'espoir pour tracer notre voie. Ouais, c'est vrai que l'avenir, finalement, l'avenir, Vous êtes taquin, Michel, vous avez parlé des U19, c'était plutôt positif, ben oui. Alors que l'avenir, c'était plutôt l'avenir d'Hubert Fournier, qui, même malgré cette victoire, on le sait qu'en coulisses, l'OL prépare l'avenir aussi, et que Hubert Fournier n'est pas sûr d'être toujours l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais à la trêve hivernale. Voilà, c'est ça, parce que c'est le football de haut niveau, et qu'il est menacé, et qu'il y a plein de fuites, qu'on sait qu'il y a beaucoup de tensions dans ce vestiaire de l'OL, et que cette victoire n'a pas tout réglé. Voilà, c'est ça aussi la réalité. Vous êtes sûr vraiment qu'il est menacé? Vous pensez qu'il est menacé? Bien sûr. Je ne sais pas si vous avez vu les déclarations de Jean-Michel Lasse. Ah, on va la voir. Ah, voilà. On est pas mal, hein, on est pas mal. Sur le lancement, on est pas mal. Il faut analyser le match. Après, les décisions appartiennent au conseil d'administration que je préside. En fonction des résultats qui seront atteints à la trêve, on prendra les décisions qui s'imposent. Je crois qu'il faut savourer et se dire qu'on a réussi à remettre la machine en route dans un laps de temps très court, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre chose à changer dans le futur. Voilà. Et là, on laisse les anciens footeux répondre. Qu'est-ce que vous en pensez? Le président s'est communiqué. Il sait que la victoire d'hier n'a pas tout réglé. Qu'on a un gros match face au Paris Saint-Germain, il y a Tours en Coupe de la Ligue. Voilà, tout n'est pas réglé. On va voir comment évolue le vestiaire aussi. Enfin, le président ne fait jamais les choses de manière anodine. Là, il laisse présager un changement d'entraîneur éventuel. Au cas où il y a une victoire contre Paris, où dans ce cas-là, il ne pourrait plus virer Hubert Fournier. Mais il se laisse aussi, en cas de défaite contre Tours ou autre, le choix de remplacer son entraîneur. Donc, on peut lire la phrase de deux manières différentes. Donc là, on a des rumeurs. Donc on a Leonardo en rumeur. Alors, je ne sais pas, vous qui êtes proche du PSG, peut-être… Il n'est plus au PSG. Oui, il n'est plus au PSG. Voilà, il n'y est plus pour l'instant. Mais effectivement, est-ce qu'il va venir à Lyon? On a un Suisse, Lucien Favre. Je ne sais pas qui c'est celui-là. Ex-manager du Borussia Mönchengladbach. Ah bah oui, c'est un bon coach. Hein. Ah, c'est un bon coach, très bien. Lucien Favre, je ne connaissais pas. Je connaissais Jacques Vabre, mais c'était le café, ça n'a rien à voir. Il y a Raymond Domenech, bien sûr, qui n'a pas réussi à gérer l'équipe de France, donc il va venir gérer le bordel à l'OL. Ça va être compliqué. Et si un Fournier remplaçait un autre, vous savez, Laurent, je parlais des brosses. Vous voyez, le jeune des brosses, Laurent, non? Pourquoi pas? Il a fait du bon boulot à Paris, donc ouais. Je pense qu'il a la légitimité pour faire du bon boulot à l'OL. Vous avez joué avec lui, vous? Oui, Laurent pas longtemps, Fournier. Parce qu'il est parti l'année où j'arrivais. On a joué 6 mois ensemble. Humainement, c'est un bon gars qui a fait un très bon travail, qui a été sorti de cette équipe parisienne. Je crois qu'ils étaient deuxièmes. Ils étaient deuxièmes, ouais, ouais, très bon résultat. Non, voilà, ça a été la grande surprise. Sinon, c'est peut-être le nom, c'est pas politique. Oui, voilà, c'est quelqu'un de terrain. Et c'est vrai que il a traversé un petit peu le désert depuis, parce que c'est très dur justement quand on sort d'un club comme Paris de rebondir derrière. Mais bon, l'autre Fournier n'est pas encore parti, parce que je trouve que c'est toujours délicat quand on repousse des échéances. Et s'il y a 2 victoires, qu'est-ce que ça veut dire? Les décisions prises instantanément. Ça te choque, justement, les déclarations de Jean-Michel Aulas, alors après une victoire? Oui, parce que après, l'entraîneur, je pense que Hubert, c'est ce qu'il fait aussi, et c'est ce qu'il attend aujourd'hui dans ce métier. Mais c'est vrai que c'est délicat d'avoir 2 matchs, un petit peu, de se dire. Il y en avait 3, si je gagne les 3, qu'est-ce qui se passe? J'ai peut-être fait le boulot, on m'a demandé de gagner 3 matchs, j'en gagne 3, je suis débarqué, voilà. C'est peut-être s'il les gagne. Que Aulas, qui sait prendre le contre-pied, va le débarquer. Et s'il perd, peut-être c'est là qu'il ne débarquera pas. C'est toujours délicat, mais voilà, moi je trouve que c'est les décisions, une fois qu'elles sont prises, elles doivent être actées rapidement pour ne pas laisser le doute à personne. C'est un petit peu ce qui me gêne dans cette histoire.
Ok. On a une question de Corentin dans le public qui veut nous parler des entraîneurs. On a été aux entraîneurs. Corentin. Bonjour. Bonjour Corentin. Alors, je profite d'avoir du coup deux anciens gardiens devant moi. Et je voulais vous poser la question, est-ce que vous pensez que Joël Batz est l'un des meilleurs, voire le meilleur entraîneur des gardiens au monde ? Attends. Ben moi, je ne l'ai pas côtoyé en tant qu'entraîneur, je l'ai surtout observé. C'est quelqu'un que j'admirais en tant que joueur déjà, qui fait partie des grands gardiens qui ont marqué chacun leur époque, et Joël en fait partie. Le plus grand au monde, après, c'est un poste qui vit un peu dans l'ombre. Donc moi, je ne connais pas d'entraîneur gardien au monde à part à Chelsea, Lolichon qui était avec nous à Nantes, voilà, qui est un très bon entraîneur aussi. Mais si tous les gardiens passés par le club ont atteint les niveaux qu'ils ont atteints, je pense que ce n'est pas un hasard. Donc au niveau national aujourd'hui, je pense qu'il est largement devant tout le monde. Voilà. Alors il y a des jeunes qui arrivent, c'est peut-être le plus ancien aussi. Il y a une autre génération qui est en train d'arriver puisque ce métier-là d'entraîneur des gardiens existe réellement depuis quelques années, mais c'est pas très vieux. Joël est le précurseur là-dessus. Mais il l'aura marqué, justement. C'est peut-être lui qui a fait découvrir ce métier en France. Quoi. Vous qui l'avez subi. Moi, je l'ai subi, je l'ai côtoyé. Il m'a fait grandir, il m'a fait mûrir. Il m'a pris, je sortais du centre de formation, il disait que j'étais un diamant à tailler. Alors, il m'a peut-être pas taillé assez, parce que j'aurais pu faire certainement mieux, mais... Ah, il a fait profiter, en tous les cas. En tout cas, son contact, on a tous progressé depuis qu'il a pris les gardiens de l'OL. Là, il a commencé par Greg, Rémi, moi, Rémi Rioux, Anto Lopez. Enfin, chaque gardien a passé des paliers et a progressé sous les mains de Joe. Donc, il connaît son métier, il apporte son expérience, son vécu. Il a aussi ce côté assez émotif et dans l'émotion qui permet d'échanger. C'est un... Enfin, voilà, il est dans sa bulle, mais toujours dans le partage. C'est un ours, paraît-il. C'est un ours, il peut être bien ou mal léché. Mais en tout cas, aussi bien humainement que sur le terrain, il nous apportera toujours beaucoup, parce qu'il est dans l'échange, il est dans l'humain, et on sait que c'est la base du football. Quoi. Donc, et Rousset, dans l'histoire dans le club aussi, il était travaillé comme Joël Batz, toujours comment... bah non, ils ont deux façons de travailler différentes. Après, Gilles, aujourd'hui, ne s'occupe plus des gardiens, ouais. s'occupe de la CFA. Il est adjoint en CFA, donc entraîneur général, exactement. Donc oui, il a laissé tomber les gardiens pour s'occuper d'une équipe complètement. Ok. Et surtout, Joël Batz apporte aussi à l'OL en fait au vestiaire. Il communique beaucoup avec les autres adjoints et voilà, il a son regard. Ouais, c'est un compétiteur. Effectivement, on le voit nous à la Vologe et sur le banc, il se concentre sur ses gardiens. Mais je peux vous dire qu'il participe sur la vidéo, en fait, où il fait les repérages pour les équipes adverses, où il supervise et tout à la vidéo pour savoir comment joue notre adversaire. Et il a l'œil fin encore. Ok, on va passer à un autre gardien, on va passer à Dominique Casagrande. Hein. Voilà, ça y est, vous êtes là. Donc, il y a... c'est ça. Ah ben, ça rigole pas, c'est tout à base de transition, c'est du surf. On enchaîne. C'est du surf, c'est beau. Je mériterais d'avoir une chevelure un peu longue et puis un short. Voilà. Vous méritiez. Je méritais, ouais. Le problème, c'est que les cheveux, ils sont restés accrochés dans le dos. Maintenant, j'ai des poils au dos. Voilà. Vous avez un stagiaire ? Exactement, un stagiaire qui habite toujours. Toujours. C'est comme ça, du côté de Villeurbanne. C'est le Lulu de Villeurbanne qui nous dresse le portrait de Dominique Casagrande. Dominique Casagrande, c'est qui ? C'est quoi, bonté ? Ben, c'est un gosse qui est né le 8 mai 1971 à L'Union. Alors L'Union, je ne sais pas que c'était la ville, moi à mon époque c'était un journal, vous voyez, qu'on y regardait un peu, vous voyez, des livres de bureau de tabac avec des poitrines, vous voyez. Bon bref, mais moi c'est une ville là. Après bon, il a joué à Muret. Hein, Muret pour un gardien, c'est pas compliqué, hein, forcément. Bon, ça voilà. Et puis après, il a joué au FC Nantes. Alors FC Nantes, bien sûr, attention. 95, champion de France, c'est l'année où, bon Dieu, ils étaient tout le temps devant nous. Le Tigana, il a failli faire une dépression. Nous, on y était derrière. Ils ont gagné mes 27 matchs d'affilée. Des trucs de dingue, ça n'existe plus. Il y avait Wedek, Pedros, Casagrande, il y avait tout. C'est une équipe, bon Dieu. Puis alors après, bien sûr, hein, après, bon, ben, il fait le FC Séville, hein, il part en Espagne, formidable. Alors, c'est peut-être, je sais pas, Casagrande, pour avoir une maison plus grande, mais c'est ce que ça veut dire. Yeah, c'est, voilà. Et après, après, il vient au PSG, bon, des clubs un peu comme ça. Puis bon, ben, après, il fait l'autre, les machins, là, c'est...
c'est qu'ils sont pas fous, les trucs, là, les verts. Il a joué là-bas aussi. Oh, il a nom de Dieu, mon Dieu. Ça, c'est... Bah, c'est... Qu'est-ce que vous voulez? Ils peuvent pas tous y être de Lyon, hein, c'est... Oh, bon, il a joué là-bas. Après, il a fini sa carrière à l'US Créteil Lusitanos, hein, bien sûr, parce que, bon, bien sûr, hein, parce qu'il faut aussi parler portugais, hein, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Ben, résultat, ben, il est plus gardien. Maintenant, il a un restaurant formidable. Attention, un restaurant, mais oulala, le 1838 ou 1838 à Bonnet, mon Dieu, c'est formidable. Attention, comme ça, moi, j'y suis été, hein. Attention, c'est... C'est des restaurants de Miller, ça, c'est joli, attention, hein, c'est pas un PMU machin. Ouh, l'honneur, l'honneur. Bon, alors, j'ai envie d'y dire, comment il s'appelle, Dominique Casagrande, hein, bienvenue dans Tant qu'il y aura des gones, bonté, formidable, hein, puis, mais reste pas madame, parce qu'il est encore bien, bien sympathique, formidable, hein, hein, allez. Faut préciser, c'est madame. Ah oui, tout le monde le sait. Tout le monde le sait, même les jeunes qui sont dans le public. Oui, je crois, ici, oui, bien sûr, c'est mademoiselle Siméone. Tout ça à fait, madame, hein? Casagrande. Madame Casagrande. Ouais, madame Casagrande. L'autre, ça y est, il a mis un coup de tampon. Madame Casagrande, bon, c'est à moi, on ne touche pas. Voilà. On va faire un peu le people, mais qu'est-ce qu'elle devient justement, Cécile Siméone, qui était présentatrice sur LTV notamment, et puis qui a un petit peu arrêté, qui faisait un peu du mannequinat. Elle a repris un petit peu ses amours, puisqu'à la base, elle est dessinatrice. Elle a été formée aux écoles de dessin de Lyon. Et voilà, elle a repris la déco, ouvert une boutique et un site internet, et elle fait de la déco, deux restaurants, puisqu'elle a fait le mien et d'autres sur Lyon, voilà. Donc elle est pas mal occupée. Bon, voilà. C'est bien. Partie. C'est bien. Bon, allez, donc Dominique Casagrande, grand moment pour vous dans votre carrière, c'est PSG. Hein? Donc on va en parler du PSG. Ouais, de tout. Moi j'ai passé, voilà, j'ai fait une carrière, je sais pas, j'ai dû faire 12-13 ans. De carrière et je me suis éclaté. J'ai passé des bons moments partout, des mauvais moments, des moments moyens, voilà. Mais que du bonheur quand on arrive dans ce métier et voilà, et on la traverse comme ça et on se fait plaisir surtout. Vous êtes arrivé, vous, comme un dingue en fait. Bonjour, il y a de la lumière, pan, un titre. Ah ouais, c'est comme ça le foot. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est ma première année, c'est le titre de champion que votre confrère a. Parce que ça a l'air de votre confrère. Ouais, c'est un confrère de schizophrénie. A évoqué tout à l'heure, oui, c'est vrai que c'est ma première année, puis je sortais de ce club de Muret, d'où d'autres Lyonnais sont sortis aussi, puisqu'Éric Carrière sort de là. Et voilà, c'était un club d'étudiants, et moi j'ai été propulsé dans cette équipe du FCNA où on perd un seul match dans l'année. Où moi j'étais peut-être plus spectateur, en étant acteur sur le terrain, mais voilà, c'était un régal de voir cette équipe, ouais, qui avait évolué. Donc voilà, et j'ai peut-être fait ma meilleure année de football, et comme ça, au moins, j'ai fait dans le bon sens. Une bonne année, et j'ai vécu derrière, au lieu de faire le contraire, c'est souvent ce qu'il faut faire. Mais voilà, donc j'ai passé de très très bons moments dans le foot, mais par tous les clubs où je suis passé. Quoi. Alors, il y a un record d'ailleurs, là, qui tient encore. Oui, c'est peut-être le dernier, alors c'est pour ça, je suis quand même assez parisien, mais si l'OL peut gagner dimanche, ça permettrait d'avoir une défaite, puisque voilà, Paris peut finir sans défaite et ça me gênerait, parce que ça serait peut-être la dernière trace laissée de cette équipe-là dans l'histoire. Ouais, le Paris Saint-Germain version Qatari, justement, est-ce que tu t'y retrouves dans ce Paris Saint-Germain nouvelle ère? S'y retrouver, oui et non. Par contre, fier de ce qu'ils sont en train de faire, parce que c'est nécessaire déjà pour le football. Ça serait bien qu'il y ait deux, trois autres équipes et deux, trois autres partenaires. Alors, c'est les Qataris là, ça peut être autre chose, et je l'espère. Les Chinois sont arrivés à Sochaux, ils n'ont pas encore mis en route cette équipe, mais il faut au moins trois équipes, voire quatre dans la championnat de France qui puissent nous faire rêver. Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, on rêve un petit peu moins. Il y a des périodes difficiles, mais des équipes surprises comme Reims, cette année, d'autres équipes doivent exister, Angers doivent exister, mais si on n'a pas ces quatre équipes qui peuvent amener notre championnat de France assez haut, ça sera compliqué. Pour moi, c'est indispensable. Voilà. Alors, je crois qu'ils font des bonnes choses, ils en font peut-être des mauvaises, mais ils font les bons choix. Ils ont les moyens de les faire, mais ils les font bien aujourd'hui. Alors, c'est marrant cet engouement qu'il y a sur le PSG, parce que quand Lyon avait l'hégémonie sur le championnat, on ne bénéficiait pas de cet amour. C'était souvent oui, mais c'est l'argent, oui, mais Olas, oui, mais si, oui, mais là, comme c'est les Qataris, que c'est le PSG, ça a l'air d'être vachement bien et tout le monde dit qu'il faudrait modéliser sur eux. Alors qu'à l'époque, on se faisait quand même tirer dessus par, je ne sais pas si vous vous rappelez, par les journalistes. Ah, c'était la personnalité du président qui monopolisait l'attention, en fait. Ouais. Là, aujourd'hui, ils travaillent beaucoup sur leur image. Ils le font bien, c'est vrai, il a raison Dominique. Parce que du coup, beaucoup de supporters en France préfèrent une équipe construite par le centre de formation et, plutôt que par l'argent. Mais construire une équipe à grands coups de millions, ce n'est pas la philosophie française au départ. Mmh. Mais aujourd'hui, ça fonctionne. Le PSG le fait plutôt bien.
Après, à l'OL, je pense que ce qui était décrié dans la France entière, c'était l'attitude et la personnalité de notre président. Malheureusement, voilà, il monopolise l'attention, il monopolise les coups bas et les remarques qui ne font pas plaisir. Donc, à Paris, aujourd'hui, ils ne le font pas. Non, et puis aujourd'hui, dites-moi des phrases, voilà, des phrases assassines ou pas assassines, non, mais personne, dans la présence de président qui n'est pas là, parce que c'est un pseudo-président aussi. Bien sûr. Ben voilà, donc ça, il le travaille, et c'est pour ça peut-être que cette équipe peut être aimée de plus en plus, parce que l'attitude de Jean-Michel Aulas, il est aimé très fort, mais très détesté, détesté, bien sûr. Donc à Paris, c'est peut-être plus lisse aujourd'hui, on a du mal à être contre Paris. Moi, j'ai une fille qui est fan de Paris, voilà. Mais ça fait partie de sa vie parce qu'il n'y a personne qui tape dessus, parce que c'est le moment d'aller vers Paris. Ouais, peut-être trop lisse même, hein. Surtout l'ambiance au Parc des Princes et l'ambiance un petit peu. Ah bah, ils ont quand même fait le ménage, hein. Ils ont viré Boulogne, il fallait le faire. Il fallait, pas possible. On a tous applaudi parce que c'était pas possible. Il y avait des morts, etc. Mais ça ne pouvait que passer par. Mais là, c'est quand même l'ambiance, c'est malheureux qu'on lorsqu'on voit les matchs. Il fallait que ça passe par ça. Le juste milieu, alors il reviendra. Voilà, mais ils vont pouvoir le canaliser. Là, on part des extrêmes quand même. On est dans des extrêmes. Ouais, mais justement, peut-être vers les autres. Voilà, il y a une équilibre à trouver. C'était un peu trop marketing. C'est un petit peu moins populaire qu'avant. Et oui, mais l'étape était indispensable. Pour revenir après, marketing, c'est pour ça que ça fonctionne. C'est pour ça que les gens adhèrent en fait. Ah, bah, c'est les gens aujourd'hui. Moi, j'aime moins bien, mais chacun ses goûts, les goûts, les couleurs. Hein. Vous préférez la tribune de Boulogne ou... Non, du coup, entre Boulogne et une tribune populaire, place pas chère. C'est sûr que c'est pas le virage nord, on est bien d'accord. Bah, aujourd'hui, entre l'ambiance, et sans démagogie aucune, parce qu'on est sur un plateau d'une chaîne lyonnaise. Entre l'ambiance à Gerland et l'ambiance de Parc des Princes, je vote 10 fois plus pour Gerland, désolé. Après, il faut comparer ce qui est comparable. Paris est une ville de je ne sais pas combien de millions d'habitants, avec un stade de 45 000 places. C'est vite rempli, quoi. Donc, si on peut avoir... Voilà, Paris a besoin de ça, de faire vivre. Si on veut des stars, il faut pouvoir les payer. Donc, les prix des places sont plus chers. Voilà, ils ont pris la philosophie des Anglais pendant quelques temps. On augmente le prix des places et cet argent permet d'amener les stars. Alors, eux, ils ont eu l'argent au début, ils ont pu amener les stars et ils ont fait le reste, mais c'est important de le faire. À Paris, c'est nécessaire. Et voilà, si d'autres équipes pouvaient suivre ce chemin-là, là, par contre, c'est important. En Espagne, il y a 4 équipes. En Angleterre, il y a 4 équipes. En Italie, il y a 4 équipes. Voilà, et il faut qu'on arrive ça en France, sinon on va vite se faire chier, quoi. Il faudrait que l'OL, Marseille, Saint-Etienne ou Lille arrivent à suivre Bordeaux aussi, ils sont plus dans l'autre pente, mais c'est vrai qu'il faudrait qu'on arrive à accrocher le wagon du PSG et à former un big four comme ils disent en Angleterre pour pouvoir élever le niveau du championnat. Peut-être que l'Euro avec le nouveau stade, ça va peut-être contribuer à... En tout cas, grâce à la Ligue des Champions et son nouveau stade, voilà, peut espérer beaucoup de choses. Il y a le stade de Lille qui est pas mal aussi maintenant. Mais après, il y a des philosophies mises en place, le club est à vendre, c'est un peu compliqué à Lille. Mais... Puis après, c'est la France, on aime bien les petites équipes, voilà, c'est comme Le petit Poussé, la Coupe de France. On aime bien Angers qui est là aujourd'hui, on aime bien Caen, vous parlez en Angleterre. Voir des petites équipes deuxième du championnat en Angleterre, pour eux c'est inadmissible, quoi, c'est pas possible. À part les supporters de ce club là les autres en France on est différent, on aime les petits, on n'aime pas ceux qui réussissent forcément. Ça a été la preuve avec l'Olympique Lyonnais pendant des années où c'était pas forcément aimé, mais ça va être voilà. Nous ne nous aimions pas déjà avant. Hein. Il fallait être Lyonnais pour être supporter de l'Olympique Lyonnais. Hein. En tout cas, sur le terrain, il va falloir confirmer cette victoire à Valence et ça va être difficile de l'emporter face au Paris Saint-Germain. Ils sont en confiance, ils vont tourner leur effectif en coupe d'Europe, donc ça va être compliqué. Mmh. Un match où on va pouvoir certainement tirer des enseignements sur le retour en forme ou non de l'OL. Est-ce que c'était un feu de paille ou pas? C'est pas le meilleur adversaire pour pouvoir jauger, mais toujours est-il qu'on aura quand même des réponses. Au niveau de l'état d'esprit, au niveau du jeu collectif, la cohérence et la cohésion, on aura des réponses. Encore une fois, ils peuvent perdre, on est d'accord. C'est la façon dont ils vont perdre. S'ils mettent tous les ingrédients qu'il faut pour essayer de gagner ce match-là, même s'ils le perdent, ce ne sera pas grave. Ouais, ce serait bien qu'ils gagnent. Ce serait très bien. Parce que, voilà, on a plus de trucs à dire, on tourne moins en rond. Ouais, 3-0, voilà. 3 buts d'Ibrahimovic contre son camp. Voilà. Si c'est ça, je joue au... Alors, Paris est la seule équipe encore invaincue à travers les 5 grands championnats européens saison. Et ben voilà. Mais dans grand championnat, il y a grand championnat en fait. C'est ça l'histoire. C'est peut-être pour ça. On arrive aujourd'hui. Paris a vaincu en Ligue 1, on arrive. Ouais, il est en forme, Altamanque. C'est sa dernière émission d'ailleurs, on lui fait un petit coucou. Dernière émission parce qu'après, il part. Hein, il a des. Vous savez, c'est un petit jeune qui a des obligations. Il reviendra plus tard. Mais reviendra. Mais c'est les études, c'est ça. Il reviendra, entre autres. Les études, tu vas vendre un rein pour pouvoir gagner ta vie. Ouais, je comprends, c'est normal. Merci à lui en tout cas, merci à lui parce qu'il a grandement contribué à cette émission. Tu passais à la télé, dis bonjour à ta mère, tu passais à la télé.
Et c'est là, ça sera le 12e match entre Paris et l'OL, toutes compétitions confondues depuis l'arrivée des Qataris qui sont arrivés la saison 2011-2012. Et on en est à combien là? On réussit pas très bien là. C'est ça, on n'est pas. Paris n'a perdu aucun de ses 7 derniers matchs à domicile contre Lyon en Ligue 1. Moi, j'aimerais revenir sur le petit dessin qu'il a fait. C'est pas pour porter un petit peu la poisse. Mais avec Nantes, on est parti jouer à Paris l'année après le titre, avec une équipe un peu jeune. Grève d'avion, on est parti en bus. Et voilà, on a pris 5. L'oiseau de mauvais augure, il est là. Mais, si on arrive quoi que ce soit, on sait maintenant. Donc évitez le bus. Évitez le bus, c'est pas bon. Hein. Mais c'est vrai que c'est attention danger, parce que comme tu vois que l'OL reste sur cette victoire, tout le monde est content. Et forcément, tout le monde est content. Et tout le monde salue la victoire de l'OL à Valence dans le jeu, dans l'état d'esprit. C'est vrai que c'est danger, parce que si derrière tu prends 3 buts au parc et que tu joues pas bien, ben derrière ça peut faire mal. En même temps, c'est pas parce qu'on a gagné 2-0 à Valence dans les circonstances qu'on connaît, après 5 matchs sans victoire. Enfin, si on s'enflamme là, il faut quand même qu'on reste. Faut garder une certaine humilité quand même. C'est important de le dire, Nicolas. Je pense. Il faut savoir raison garder. Exactement. Après, c'est au staff et aux joueurs d'être raisonnable quand même. Le PSG n'a gagné aucun de ses 3 derniers matchs contre Lyon en Ligue 1. Une défaite suivie de 2 nuls après n'avoir perdu aucun des 7 précédents. Bon, il y a tellement de stats, de toute manière. C'est-à-dire qu'on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres. C'est l'intérêt des chiffres, c'est qu'on peut leur faire dire ce qu'on veut. Alors, en revanche, quand on met des mots, là, c'est compliqué de trouver d'autres significations. Il ne faut pas regarder les chiffres, il faut jouer simple, jouer votre football. Et l'Olympique Lyonnais pour au moins essayer de décrocher le match nul au Parc dimanche soir, et tout le monde sera content. Si une victoire, c'est encore mieux, bien sûr. Il y en a un qui vient de décrocher la timbale, je viens de m'annoncer ça en direct, apparemment c'est tombé sur les triscripteurs, comme on dit, Karim Benzema, équipe de France, fini. Ouais. C'est logique, forcément, je voyais mal le président de la Fédération Française, M. Le Graët, dire non laisser Karim Benzema, alors qu'il y a encore, c'est en l'affaire, l'instruction suit son cours, c'est compliqué de laisser un joueur comme ça. Surtout, en dehors de l'instruction, il y a une charte qui a été signé par tous les joueurs. Plus et je pense que c'est là-dessus qu'a axé la décision de la fédération. C'est qu'il y a une charte, elle est signée. Donc il faut la respecter, elle n'est pas respectée, il n'y a pas de raison. Ah. Je trouve que malheureusement, c'est Karim Benzema qui a subi les conséquences, mais c'est une belle preuve d'exemple pour les jeunes. Voilà, il faut arrêter de faire les cons, il ne faut pas faire n'importe quoi. Et puis voilà, cela, c'est n'importe quoi. C'est d'autant plus marquant que c'est un joueur important de l'équipe de France. Qui doit avoir des devoirs. Oui, voilà, c'est ça, encore plus que les autres. Ah oui, c'est sûr, c'est le devoir de représentation. Ouais. J'ai une question aussi de Baptiste. Baptiste qui a posé une question qui va peut-être nous permettre de terminer l'émission en douceur, ici. Et à toi, c'était une fin du micro. Il veut participer, le costard. C'est la classe. Voilà, c'est... Bravo. Bonjour, Baptiste, 3e année, étudiant en journalisme. J'avais une question en tant qu'ancien Stéphanois. Que pensez-vous des performances de l'OL en championnat? Et c'est peut-être la bonne année pour Saint-Etienne pour finir devant l'OL? Qu'est-ce qu'il raconte? Oula. Qu'est-ce qu'il raconte? Allez, faut partir maintenant. Ah, t'asseoir. Maintenant, faut partir, ça suffit. La sécurité a fait la sécurité. Entièrement rasique. On avait dit qu'on filtrait, les gars, là. Non. Il y a quand même des gens bien. Ça va rehausser un petit peu le niveau de l'émission. Ah, bravo. Bravo. Merci. Vraiment de la sécurité. À la semaine prochaine, au revoir. Non, mais c'est vrai qu'il y a deux équipes et voilà, qu'il y en a une... ou l'autre, obligatoirement, il y en a un qui va finir devant. Mais c'est important, je pense que c'est dommage le dernier derby que j'ai vu à Gerland où il n'y a pas les Stéphanois. J'espère que le jour, les gens comprendront, ses supporters comprendront qu'il faut être là, qu'il faut venir soutenir son équipe. L'exemple du rugby, il existe aujourd'hui en France. Il n'y a pas de raison que dans le foot, on n'arrive pas à faire ça. C'est un truc de fou. J'arrive pas à comprendre. Obligé de venir à Lyon pour fracasser le mariage d'un Lyonnais, par exemple. Vous venez voir un match. Non, mais c'est aberrant, quoi. Et je trouve que nos dirigeants ne sont pas souvent conscients de ça, parce qu'ils sont capables d'allumer un petit peu. Les pouvoirs publics doivent prendre les choses plus au sérieux, mais il n'y a pas de raison que ça se passe comme ça. Quoi. Voilà. Dans les autres pays, je reviens toujours là-dessus, moi, j'ai pas mal voyagé en Angleterre, et c'est affolant, quoi, le respect qu'il y a dans ces stades. Ça part de loin dans les années 80. Oui, mais justement, ils ont dit stop. Aujourd'hui, moi j'ai assisté à des matchs où un papa faisait ça, jetait le papier... On lui tapait sur l'épaule, il disait dehors. Et c'était comme ça. Et ça ne veut pas dire qu'il n'encourageait pas son équipe. Mais il y a des règles à respecter et il faut qu'on arrive à le faire en France, sinon c'est pas possible. Pas de raison. Les Anglais y arrivent. Il est bien gentil, Dominique, il a parlé de tout ça, mais il n'a pas parlé du sportif. Donc Saint-Etienne, ils n'arrivent pas à passer devant Lyon, c'est ça? C'est ce que j'allais dire. Même à l'OL en difficulté, ils n'arrivent pas à passer devant Lyon. Arrête, il a fait de la langue de bois, il avait botté en touche. Mais on n'en est pas là. On a dit à la fin du championnat. Attention.
Il va prendre un ballon, et donc, il va taper dedans, il va prendre le taxi. Donc Dominique, on a dit à la fin du championnat, donc à la fin du championnat, est-ce que la SSE sera devant l'Olympique Lyonnais? Attention. Ah, là, c'est difficile à dire. On sait pas. Difficile à dire. Dominique, il reste 30 secondes. Non, 30 secondes, on va être obligé de conclure. On va pas rester la seule chose. La seule chose qu'on peut dire, c'est que déjà, au niveau de la renommée de la ville, Saint-Etienne sera toujours derrière. Voilà. Non, je peux pas laisser dire ça. Si, si, mais... C'est normal, c'est la télévision. Attention maintenant, hein. Oui. On a élargi partout jusqu'à Clermont. La télévision, le fond vert, ça tout disparaît. Et voilà, c'est un truc absorbant. Écoutez, on est ravi de vous avoir reçu. Merci Dominique. Merci. Et n'oubliez pas, donc on va essayer de gagner contre le PSG dimanche. Et puis tant qu'il y aura des gones, nous on sera là. Allez, ciao.